got nothing if you don't have love. For my people marching with their hands up. For my sisters and brothers who getting banged up. Time's up, freedom ain't free, you better stand up. And hold on just a little longer. Anything that doesn't kill you is making you stronger. I feel your pain, you keeping it locked up. But when we stick together, we're nothing can stop us. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Actu Gospel. Je me trouve actuellement au Shine Gospel Award, une remise de prix qui va honorer les artistes francophones. Évangile TV a le plaisir de vous faire vivre cet événement au travers de vos écrans. Bonsoir NK Divine, comment tu vas ? Ça va super, très en forme. Bon, un peu fatigué sans mentir, mais ça va grâce à Dieu, on est là. Amen, amen. Comment te sens-tu juste avant cet grand événement ? Alors, à une heure de l'événement, je me sens super content, super bien et d'autant plus fier de cette initiative-là parce que ça participe encore une fois à l'expansion des artistes gospel, ça participe à mettre le nom du Seigneur Jésus-Christ sur un piédestal parce qu'il mérite et c'est juste ouf. Ben, pour moi, je pense que ça représente l'un des événements majeurs de l'année. Mm-hmm. L'événement qui va récompenser le gospel francophone. Pour moi, c'est juste un événement phare. Je pense que c'est un événement même historique. Ah, yes. Ouais, je me permets de le dire. Bah, ça se passe bien là, dans les répétitions, dans les préparations. Et moi, je suis très content de cet événement. Ça va nous permettre de professionnaliser, si je peux dire ça comme ça, la musique chrétienne, et c'est aussi un moyen de nous exposer d'une certaine manière au monde et montrer qu'en fait il y a de la musique d'un autre type et qui peut booster des vies et faire du bien. Je suis content qu'il y ait eu cette initiative parce que ça réunit tout le milieu gospel pour une fois. Et pour moi c'est juste le moment de partager ce moment ensemble, être tout cela sans avoir la casquette, ou même si on est artiste, mais juste communier ensemble et voir ce que les autres font, faire des contacts, être ensemble pour la gloire de Dieu, quoi. Que souhaites-tu au Shine Gospel Award pour la suite ? Ben pour la suite, c'est que ça aille encore de gloire en gloire. Là, déjà, c'est une première. Tout ne sera pas forcément parfait, mais il y a quelque chose qui va se passer. Ça va marquer un tournant. Et si les choses doivent aller de gloire en gloire, j'ose même pas croire ce qui va se passer pour l'année 2024. En tout cas, c'est un événement qui se vit. Comme je le dis, c'est pas quelque chose où tu dois demander à une personne comment ça s'est passé. Moi, personnellement, il ne faudra pas venir me demander comment s'est passé le Shine Gospel. Je ne vous raconterai rien. C'est quelque chose qui se vit, qui s'expérimente. Donc, si tu n'as pas pu être là aujourd'hui, essaye au moins d'être là en 2024. Alors j'ai une question pour toi, à quoi t'attends-tu pour cette première édition du Shine Gospel Award ? Pour cette première édition, je m'attends à tout, je m'attends à être émerveillé, je m'attends à chanter, à me casser la gorge et non, j'ai hâte aujourd'hui de voir tous les différents artistes qui seront présents, mais aussi toutes les personnes qui se sont déplacées par centaines, milliers même peut-être, pour voir cet événement. Hello Esdras, comment tu vas ? Ça va, grâce à Dieu, et toi ? Ça va très bien, très très bien. Tu as été nominé pour le clip de l'année. Quelles sont tes impressions juste avant cette cérémonie ? On est là déjà pour rendre gloire au Seigneur pour toute la famille gospel dans la musique, tout ce qui se font. Moi, j'aime bien dire qu'en fait, on n'est pas en compète, mais ce que mon frère n'a pas, on le complète. En fait, on se complète les uns les autres. Donc déjà, je suis content. Voilà, pour moi c'est une victoire d'être là et de célébrer ça avec tout l'ensemble du corps du Christ, de faire en sorte qu'il y ait un événement qui puisse tous nous réunir. Moi c'est ça le plus important. Après, si le clip est nominé comme clip de l'année, gloire à Dieu. S'il n'est pas, gloire à Dieu. Le plus important c'est les âmes qui sont touchées. Et puis voilà, moi je suis dans cet état d'esprit là, je suis déjà content. Tu restes en plus, tu voulais, tu m'auras, et pas de rire. Voilà. Et décerné à
Bourguignon. Bonsoir à tous. J'avais été, je ne m'y attendais même pas. Je vais faire court. J'aimerais honorer, dire merci d'abord à Dieu. Parce que sans lui, je suis capable de rien du tout, je vous promets. J'aimerais honorer mes parents qui sont présents. Ainsi que mes deux frères, j'ai gagné les vidéos. J'aimerais aussi dédier mon appel au Lee Nation. J'aimerais dire merci aussi à mes sœurs qui sont présentes, Olivia et Allegra. Merci pour votre soutien. J'aimerais aujourd'hui honorer les anciens, tous les anciens rappeurs qui sont encore actifs ou inactifs. Merci parce que grâce à vous, la musique a su se développer et évoluer. Alors je voudrais vous dire merci. Dans la catégorie Révélation de l'année, le Shine Gospel Awards est décerné à... Alors bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon moment. Alors déjà j'aimerais commencer par dire merci, hein, merci à tous d'écouter mes musiques. Parce que on fait ça pour Dieu, hein, on fait ça pour Dieu, je rends gloire à Dieu. Je remercie, j'honore aussi tous les artistes ici. Franchement vous faites un super taf. Et j'aimerais remercier aussi certaines personnes, j'ai dû les noter parce qu'elles sont nombreuses. Je prends le temps. Alors déjà, premièrement, on remercie Dieu. Déjà. Alors, musique Wash de l'année. Jonathan Campbell. Bonsoir Faveur, comment vas-tu? Bonsoir Ingrid, je vais très bien, merci. Comment te sens-tu juste avant cet événement? En tout cas, j'ai hâte. Déjà, c'était très chaud au moment des balances et tout. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que le Seigneur a prévu de faire ce soir. Félicitations pour ce prix. J'ai une question à vous demander. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir gagné le prix du meilleur feat de l'année? Je commence par qui? On va commencer par toi. Ok, ça marche. Comme je disais, en vrai, je suis juste trop ému. Je suis trop ému et vraiment reconnaissant. Je pense que la première chose, c'est ouais, reconnaissant parce que je sais d'où Dieu m'a tiré. Je sais le travail que Dieu a fait. Et à partir de là, en fait, je ne peux que être reconnaissant. C'est un grand honneur, en fait. Je trouve que le fait qu'il y ait cette cérémonie, que ça se passe pour la première fois, que ce soit ici, et que pour cette première, on puisse être honoré de cette façon-là, pour quelque chose pour lequel on ne s'attendait absolument pas. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, on vit vraiment le fruit de ce que ce morceau apporte dans les cœurs des gens et dans les vies des gens. C'est juste incroyable, donc c'est juste un honneur, en fait. Ok, alors déjà, félicitations pour ce prix. Bon. On s'attendait à ce que tu sois nominé, on savait tous que tu étais nominé, mais est-ce que tu t'attendais à être le gagnant de cette catégorie? Je t'avoue que j'étais un peu déconnecté de tout ça, parce qu'en réalité, le simple fait qu'il y ait le Shine Gospel, pour moi, on a déjà gagné. C'est-à-dire que j'ai gagné ou pas, ce n'était pas forcément le plus important.
Maintenant, c'est juste que je suis joyeux, mais de l'autre côté de la scène, avec un prix en plus. Donc je bénis vraiment Dieu. Et je suis très content surtout pour le réalisateur Tommy Saint-Victor, à qui je passe un coucou au passage, qui a fait un excellent travail. Et en vérité, ce prix-là, c'est lui qui le gagne. Voilà. Alors, quel a été le premier sentiment que tu as ressenti lorsque tu as été nominé meilleur artiste de l'année ? Le premier sentiment que j'ai senti, c'était, comme tu as dit, waouh. Et je me rappelle quand j'ai commencé la musique, j'ai sorti mon EP, c'était pour mon église. Je ne savais jamais, absolument jamais, qu'un jour ça sera mondial. Ça sera un jour en ça. Donc je bénis le Seigneur énormément pour sa fidélité. Il a vraiment été fidèle, il a promis, il a accompli. Comme je dis, c'est Dieu qui est fort, c'est lui qui est fort. Merci beaucoup à toutes personnes qui me soutiennent. Les héros dans l'ombre, ceux qui travaillent dans Dear Ministries, je vous aime énormément. Est-ce que vous pouvez me décrire votre soirée en un seul mot ? Magnifique. Yes. Inoubliable. Incroyable. Et pour vous ? Extraordinaire. Incroyable. Incroyable. Juste incroyable. Alors pour cette cérémonie, ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai bien apprécié, c'est vraiment en fait que lorsque un artiste recevait en fait un prix, il disait que en fait c'est toute l'équipe qui gagne, c'est tout le monde qui gagne. Tout ça pour dire que en fait on n'est pas en compétition, c'est vraiment pour le royaume des cieux que l'on chante, pour le royaume de Dieu, on le fait vraiment pour le Seigneur. Donc lorsqu'il y en a un qui est mis en avant, en fait c'est tout le monde qui est mis en avant. Alors une soirée extraordinaire, même je dirais que les mots me manquent. Franchement la présence de Dieu était parmi nous et ça nous fait plaisir de recevoir des chantres, gospel, venus partout dans l'Europe pour célébrer un seul nom. Bah, honnêtement, c'est vrai que c'est difficile de sortir un seul moment parce qu'il y a eu tellement de moments exceptionnels avec différents artistes. C'est vraiment une top soirée, donc c'est plaisant de pouvoir assister à ce genre de soirée. Pour moi, c'est une fierté d'être ici aujourd'hui au Shine Gospel, première édition. Et quand je vois que mon frère a fait cet événement, un événement exceptionnel, pour moi, j'ai kiffé du début à la fin. Il n'y a pas un moment que j'ai moins kiffé que l'autre. Franchement, je sais pas si je dois... J'ai tout aimé. J'ai aimé du commencement jusqu'à la fin, au milieu. Donc, j'ai tout aimé. C'était formidable. Nous avons été ravis de vous faire vivre cette première cérémonie du Shine Award Gospel. Vous avez pu vraiment découvrir ou redécouvrir des artistes. En tout cas, nous espérons véritablement que vous aussi, vous avez été bénis de vivre ce moment avec nous. À très vite sur Évangile TV. Tu es mon rebelle et mon soutien.